Et bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 de Outlast 2. Alors, dans les commentaires, beaucoup d'entre vous m'ont dit d'augmenter la luminosité du jeu. Alors, je l'ai modifié, je l'ai mis à fond comme vous pouvez le constater ici. Si vous voulez on peut jouer comme ça, on verra rien. Je suis pas sûr que ça va changer quelque chose honnêtement. Maintenant aussi, ça peut arriver parfois. Il faut que vous preniez en compte aussi vos paramètres personnels de votre écran, parce que parfois il arrive que votre écran en soi n'ait pas une luminosité super élevée, donc résultat, ce qui se passe c'est que vous voyez peut-être rien sur la vidéo, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé parfois, que mes paramètres de luminosité faisaient que je ne voyais rien, et une fois augmenté, bah bizarrement je voyais tout, donc voilà, il faut peut-être prendre en compte ça, ça peut peut-être venir de chez vous, parce que déjà de base, j'augmente la luminosité sur la vidéo, donc je sais honnêtement pas comment je vais faire pour rendre l'image plus lumineuse encore. Maintenant, peut-être que le gamma va régler ça, mais j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Ça n'a pas changé grand-chose, donc je vois pas réellement ce que ça pourrait changer ici. Donc, je vais voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je verrai mieux, hein. Mais bon, normalement, le but de ce genre de jeu, c'est justement de ne rien voir. On va faire avec, hein. On va faire avec, hein. On va voir ce que ça va donner, hein. Ah oui. Ah, sensibilité souris trop élevée. Bon, c'est vrai que là on voit un peu mieux. Il y en a certains qui m'ont dit d'utiliser la caméra inutilement. Eh, hey, oh, s'il vous plaît, je joue comme je veux encore, hein. Alors, du coup. Bon, c'est vrai qu'on voit un petit peu mieux là comparé à l'épisode précédent. Bah, sauf là, on voit pas grand chose. Vu qu'il y a des papiers, je pense pas que notre copine va venir nous dire bonjour. Ah non, peut-être qu'elle viendrait nous dire bonjour. Une pile! Ah non, merde, putain. J'aimerais bien avoir des piles, s'il vous plaît. T'es encore là? C'est bon. S'il vous plaît. Y'a pas de poignet, génial. Du sang. Tu veux que je me cache dans le sang, bébé, c'est ça? Par exemple, là je peux rien faire. Hein. Là on est d'accord, je peux rien faire pour augmenter la luminosité, c'est foutu ça. C'est quoi ce bruit? Ouais. Putain, mais je m'en fous de ça! Tu peux peut-être chanter, meuf? J'essaie d'utiliser la fonction vision nocturne par à coup. Pas que ça. Alors, y'a quoi là? Ah mon dieu, je suis désolé d'avoir offensé le prophète et je déteste ses péchés car je t'ai offensé, mon dieu, un dieu bon et digne de mon amour. Je mérite et chéris ta punition et en demande plus jusqu'à ce que je sois capable de ne plus pécher par ta grâce et la grâce du prophète. Un truc qui brille ici. Une pile! Je sens quand même mal cette histoire, moi. S'il te plaît, n'apparaît pas de nulle part. Putain, je suis où là? Hop, oh bordel, je sens que je vais utiliser ce machin pour passer au-dessus. Et qu'au moment où je vais commencer à le pousser, il y a la grosse conne qui va arriver. What? Et merde, putain, j'ai joué qu'à planter. Oh, c'est
une blague là. Ah non, j'ai planté. Voilà, le jeu a planté. Génial! Bon, ben je reviens. Hein. Ah! Heureux. Oh non, elle est là! Putain, je reviens, elle est déjà là, cette conne! Bordel, vous êtes en train de me dire que c'est son apparition qui a fait crasher le jeu? Je vous l'avais dit qu'elle... Ah, bordel! Ah mais tu vas me lâcher un peu, là? Ta gueule! Assurément, elle ne peut pas venir par ici. De toute façon, si je me fais planter dans le cul, j'aurais compris pourquoi. Putain, elle est juste là, cette conne. Bordel quoi! Connasse, je te déteste, va mourir. En fait, faudrait que j'arrive à la faire venir jusqu'ici. Et après, on tape un sprint. Hey, salut! On va essayer de la brain. Si on y arrive. Parce qu'il me semble qu'elle a gagné en rapidité, cette conne. Viens par là, viens par là, viens, viens, viens. Allez hop! Putain, j'ai clavé. Oh, mais non, commence pas le clavier là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh non, bordel! Ah, je suis foutu là. Je suis total foutu, je sais pas ce qui s'est passé, mon clavier il a bugué un coup là. Clavier de QWERTY de merde. Bon. On est face à un gros dilemme là quand même. Hein. Essayez de la passer sans mourir. Allez Alex, allez Alex, allez Alex, allez Alex. Tu peux le faire, you can do it là.
Bong, 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 bong. Et merde. Casse-toi, grosse. Elle va passer par où, 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 elle va passer par où. Par là, par là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On le tient, on le tient, on la tient là. Allez, on peut le faire, on peut le faire. We can do it. On se met là, on attend qu'elle se ramène. Vas-y, ma grosse, vas-y, vas-y. Allez, baby, vite, 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 cours, cours. Cours pour ta vie, cours pour ton cul, dépêche-toi. Non! Bon, bon, elle est dans la maison de ton père. Ça pourrait même. Putain, ah, mais merde, putain, le clavier qui est encore bugué là. Et merde! Oh putain! Là, je suis foutu. Putain! Faut que je reconfigure ça. Veux-tu de lui? Tu peux me lâcher un peu? Ah, c'est le problème, hein, c'est quand vous passez en QWERTY, ça devient le bordel. Moyen plus simple que ça, non? Elle va où? Oh merde! Oh, mais lâche-moi un peu, ça. Quoi, je vais essayer de tourner par là. Peut-être qu'elle me lâchera un peu. Ah, mais non, mais allez, t'étais juste là, quoi. Tu te fous de ma gueule. Oh, elle m'a revu en plus. Donc... m'a revu encore là. Truc de ouf. Bon, le jeu, ce passage, ça va être difficile. Je peux pas lui lancer un caillou genre de l'autre côté pour qu'elle se barre ou une connerie d'un genre. Putain, même avec ça, on voit rien quoi. Oh non! Mais j'ai abandonné qui, grosse? Oh, t'es moche! Ton dieu, attends-moi, chérie. Oh mon dieu! Ce passage! S'il vous plaît, plus jamais! Putain, en plus mon clavier qui a bugué deux fois en chemin, génialissime quoi.
jamais quoi. Putain, j'ai le cœur qui est en train de me lâcher là. Bon, rassurez-moi, on la verra plus, hein. Ok, donc il y a un truc à gauche, on se demande bien à quoi ça sert. Ah, ok. Bah, vous voyez, même avec luminosité augmentée, ça change rien. Ça change quasi rien, on voit quasi rien. Alors. Ces ossements ont été marqués par le péché de Cain. Reste dans la terre jusqu'à ce que tu ressuscites. L'ennemi attend dans un sein inconnu. Le Seigneur utilise ma mâchoire comme une massue en os. Paye ma dette pour le péché de ma naissance. L'enfer n'attendra pas. Quelle terre malfaisante monte la garde près de ton cœur et de ta main. Soit t'as tué le diable sur la terre du bon Dieu. Oh Sion, oh Sion. Et si on n'avait pas des piles ? Bon, je... Franchement, s'il vous plaît, ne me refaites plus jamais un coup pareil, quoi. Oh, c'est joli ici. C'est cosy. C'est ma nouvelle résidence de vacances. Quoi, ce bruit ? Pour le prophète révérend Sullivan Knott, de la part de Laird Byron, attesté par Nick Tremblay. Nick Tremblay. Je te remercie des copies supplémentaires de ton évangile. Je les ai offertes aux membres de mon troupeau dont la cervelle et les yeux leur permettent encore de lire. Mais nous avons besoin de plus de sacrements pour boire lors de la communion, mais également pour réconforter nos douleurs et désinfecter nos plaies. Mon troupeau se plaint que tu as promis plus que tu as donné, mais si je peux assez facilement les contrôler par le ferme ténor de ma voix et la lourde main de ma monture, je préfère le chemin de la douleur. Tu es le plus aimé de Dieu et un cadeau sacré pour nous tous. C'est quoi ce bruit ? Marie ! Non ! Marie ? Qui est là ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Blake. L'étranger ! Le père ! Je suis le père de personne. J'ai juste... Tuez-moi ! Vous devez me tuer! Ah. Notre vient avec Marie! Il lui fera du mal et je dirai tout! Si vous me tuez, il n'aura aucune raison de lui faire du mal! Je vous en prie! Je dois le tuer. Mais y'a quoi que tu veux que je te tue, mec? Putain, à tous les coups, faut. Ouais, bon Dieu, je crois qu'il y a dedans, c'est peut-être pas le bon plan. Nous l'avons trouvée, Josia. Elle essayait de s'enfuir parmi les galeux. Ce ne sont pas là les actions d'une femme à la conscience immaculée. Marie. Oh mon Dieu. Réponds à ton compagnon, ma chère. Il ne te voit pas. Faites-la répondre. C'est moi, Josia. S'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas...
Dieu est la vanité. Moi aussi, la femme étrangère cache la destruction de ce monde en son ventre. Mais Val et ses apostats ont volé l'ennemi à naître. Le père du démon s'est échappé. Son immonde récolte sera moissonnée avant l'aube. Nous disposons seulement de quelques heures pour la retrouver et la tuer, et ainsi sauver ce paradis de l'enfer éternel. Où est-elle? Où va la-t-il emmener? Je ne peux pas! Je ne peux pas! C'est pour toi, Josia! Fais-tu-la crier? Non! 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 Où est la femme? Le ventre qui abrite l'enquêtrice? Non! 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 Force de l'once rebelle! Pour l'enfant à naître! Je n'ai aucune peur! Force de l'once rebelle! Je n'ai aucune peur! Force! L'ennemi de mon ennemi! L'ennemi de mon ennemi! L'ennemi de mon ennemi! Dites à Josia d'arrêter! Dieu n'entend pas les putains pécheresses! Où est la femme? Où va la tienne? Parler! Oh mon Dieu! Je suis désolé, Barry. Je suis désolé. Où est la femme? Les mines! Dans la montagne! Va l'emmener dans les mines! Vous ne la trouverez jamais! Qu'il te pardonne! Pas avant la naissance! Nous sommes du Seigneur! Nous ne pouvons pas échouer! Mon meurt en criant. Merci, je... Ton dieu dans toute son arrogance. Laissez-la. Ouais, mais est-ce que je peux sortir, c'est ça la question? Vas-y, tente, hein. Ah, des nichons! Ah, c'est moche quand même. Ah, c'est dégueu. Un sac à dos. Toujours pas ouvrable. Ah putain, merde! C'est par où? Faut que j'aille où? Allez, grouille! Trop tard. Ah, c'est trop tard. Je suis foutu. Ah, c'est foutu. Autant mourir ici, c'est pas grave. Bon Dieu, quoi. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! Dépêche-toi! Dépêche-toi, ouais! Dépêche-toi! Allez, vite, 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 hop! Putain, on fait que courir dans ce jeu, c'est hallucinant!
c'est bien mignon, mais je vois rien là. Oh, une maison avec un teddy bear. Forcément, faut rentrer, hein. J'espère que je suis pas dans la maison de l'autre folle. Ouais, je suis dans le champ de maïs, sinon je vais faire quoi en fait? Ouh, génial! On voit rien. Avoir une petite pile, s'il vous plaît, juste une petite pile. Il doit y avoir un moyen d'arrêter la roue. Ouais, d'arrêter la roue. Ah non, hein. Je vais pas commencer à me faire chercher ce genre de choses. C'est juste dans le doute. Il y aura moyen d'arrêter la roue. Bah oui, j'ai ma nivelle et alors? Je la mets où? On va déverrouiller la porte du coup, hein. Oh mais merde! Putain, j'étais supposé aller où? Je suis plein de la fureur. Je savais pas où je devais aller. Là, je sais même pas comment je fais pour monter. Là, je vais mourir en boucle pour essayer de savoir où est-ce que je dois aller en fait.
Ah mais non, je dois sortir. Oh là là. Génial ça. J'adore ma vie, j'adore ce jeu. Bon, du coup, il va falloir se planquer un peu. D'où il vient, lui ? L'homme ne peut supporter la connaissance. Un ange de Dieu. Les yeux fous sont comme... Enseigne-nous ce que nous ferons à l'enfant à naître. Quoi ? Allez, mais motive-toi ! Non ! C'est par où ? De la roue là, mais ça va à quoi? Non, il veut pas monter. Ok, donc c'est tout. Ah, oh, bordel! Ok, là y'a rien, génial. Oh la schmock, ta fureur de l'éternel là, ok. Bon, à mon avis, on devait retourner dans le champ de maïs. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était champ de maïs. Je sais pas où je vais. Y'a pas une map dans le jeu. Sérieux, là, je. Je viens d'où là? Où Jésus écoute ma prière. On va essayer de contourner, hein. On va voir ce que ça va donner en contournant. Tu sais pas ce que tu dois faire, tu contournes, à ce qui paraît ça marche bien. Ouais. Je suis revenu à mon point de départ, c'est une blague. Bien d'accord, c'est. Y avait, je reviens à mon point de départ là. À moi qui en ai pas qu'une seule. Non, c'est une débile quoi. C'est agri ou pas? Oh la plus merde, je trouve. Je peux pas. Mais what the fuck, où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis tombé? Ah, c'est bizarre, le monsieur là il m'agresse même pas. On a déjà peut-être rien à foutre de mon cul, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment je vais faire là? Comment je vais faire? Je comprends rien, je sais pas où je dois aller.
monsieur, vous pouvez pas me dire où est-ce que je dois aller par hasard? Y'a pas un trou sous la grille qui est genre. T'as des sérieux, tu peux pas pousser ce machin? Ok, bon. Alors on a rien à faire ici apparemment. D'abord que je vois quelque chose là-bas, mais bizarrement je peux pas accéder. Bon bah du coup on tombe dans le champ de maïs alors hein. On a pas trop le choix là. J'ai loupé un truc à l'intérieur, c'est obligé. J'ai dû louper un truc, c'est obligé. Arrêter la roue, ok. Mais après, je peux pas monter, mais d'accord. Ça peut pas monter non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé à l'intérieur? Une question qui mérite réflexion là. Vous sortiez ou pas? Ah oui, sorti. Qu'est-ce que je... On a arrêté le truc. Et le truc était là. Je dois aller là-dessus à mon avis. Je sais pas quoi en fait. Si je devais juste suivre l'eau en fait. Oh, lâche-moi, bordel de cul! Tu viens monter, merci? Je veux tu bien m'indiquer ce que j'ai coupé là? Parce que je ne vois absolument pas en fait. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va s'arrêter là, je commence à fatiguer. Je vois rien à mon avis, je vois pas le truc que je suis supposé prendre. Ça tenait qu'à moi, on sauterait là-bas, tu vois. Après ça, et hop. Mais non, malheureusement, monsieur n'est pas capable de le faire. On va retenter, hein. On a pas de moyen, genre là. Non, on a pas de moyen. Ma foi, je sais pas ce que je loupe. J'ai pas assez fouillé la zone pour voir ce que j'ai loupé en fait, c'est le problème. Oh bordel. Monsieur ? Retiens bien le nom de ce gigant. Tu seras jugé. Oh, oh bordel ! C'est aussi simple que ça ? Ah mais merde, mais il me poursuit en plus ! Pourquoi tu veux pas venir ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Le chemin qui mène à la mine est quelque part par ici. Ah, génial, un chemin qui mène vers une mine ici. Oh, une pile! Désolé. C'est la fatigue, hein, que voulez-vous? Bonheur, petits oiseaux, volupté, tout ça. Allez, on peut peut-être y arriver en fait. Bon, du coup, c'est là-bas. Toi, le plus puissant des anges rebelles, je suis arrêté.
Mais putain, mais t'es partout, meuf, et tu saoules. Ah, je me suis loupé en plus. Ah, bordel! J'ai loupé ma glissade, quoi, cette blague. Il vient même pas ici, comme ça. Il ne vient même pas ici. La mine. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Ouais, j'aimerais bien trouver aussi. J'ai pas envie. Alors, elle apparaît dans 3, 2, 1. Ah oui, on va se cacher dans du sang, ouais, pourquoi pas. Ah. Mais ils sont crades les développeurs de jeu, ça. Bon sang. Ils auraient pu prier pour un frigo. Ouais, j'avoue, un frigo ça aurait été pas mal. Tout par viande humaine, quoi, quel gâchis. C'est bizarre, ce genre d'endroit, est-ce que tu penserais qu'il mettrait une pile ou une connerie en genre? Mais non. J'ai loupé comme d'habitude hein, parce que je suis aveugle. Ah, bandage. J'ai l'impression que ce jeu est plus à voir en pile qu'en bandage. Qui tu parles? Crochet, mais il sert à quoi globalement le crochet? Oh putain, il va falloir aller à l'extérieur et aller à l'extérieur, mais non! Putain, je m'étais dit j'allais faire double épisode aujourd'hui, mais en fait non, je vais peut-être me raviser en vrai. Ah oui, peut-être pour ça. Non. Alors à quoi? 8. De toute façon, reste là-bas, meuf. Reste où t'es. Il va pas me dire bonjour, je m'en branle. Bon. C'est quelque chose, ça. Alors qu'est-ce que j'ai loupé à l'intérieur? Fait que le crochet est utile. Honnêtement, je vois pas, mais je crois savoir. Je sens que le jeu va me demander de retourner en arrière. Là où est-ce qu'elle est? Moi que je me trompe. Non, cette porte est fermée, génial. Putain, je dois tellement me tromper de temps en temps. Pourquoi je me trompe jamais? Surtout dans un jeu d'horreur, je me trompe rarement en ce moment. Bon. Bon, tout est bien, on a un problème. On a un crochet. Ok.
Mais à quoi sert le crochet? C'est ça le truc. Là, le problème, c'est qu'est-ce que je cherche en fait. Je cherche quelque chose, mais quoi? Ok, j'ai compris. Très bien revenir. Il va falloir aller là-bas. Bon, désolé, je m'arrête là. Vous comprenez que là, je commence à... il y a mes nerfs qui commencent un peu à lâcher. Bon, j'avais dit que je ferais deux vidéos aujourd'hui, mais finalement, non, je vais me raviser là. Je crois que je vais me reposer un peu avant d'y retourner parce que. J'ai le cœur qui va exploser là. J'ai le cœur qui va exploser. Le problème, c'est que là, cette meuf là, c'est l'équivalent du gros qu'il y avait dans classe 1. On la rencontre trop souvent. On la rencontre trop souvent comparé au gros. Hallucinant quand même. Hallucinant. Bon, allez, sur ce vidéo, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, j'ai trop beau au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le ton. Je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So, ciao, bye, bouti bouti. Et que l'amour du pépère soit avec vous. Peace.